après une navigation assez tranquille d'une trentaine d'heures où tout s'était bien passé, on vit enfin la Terre à l'horizon. Right now entering the canal, and there's a like a yellow buoy. Do you know if we should consider it as a red? The second one, there's a red and a green at the beginning, and then there's a yellow one. On est donc arrivé au matin du 22 mars dans un paysage complètement différent de ce à quoi on avait été habitué pendant les derniers mois dans les Bahamas. Une nature luxuriante, des montagnes à perte de vue et le chant des oiseaux par centaines. Pas de doute, on allait aimer cet endroit. On s'est ancré dans la petite baie de Luperon, dont on avait entendu beaucoup de pieds. On s'est fait des nouveaux amis et on a rapidement pris le rythme très relax de la République dominicaine. Ouais, t'es détrempé, toi! J'étais pas du bonbon, tu t'es guillée! Je savais que les vagues! T'aurais dû rester en maillot de bain! On a exploré tout ce qu'on a pu dans le temps qu'on y a été. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Per nuestros recuerdos. On est venu se promener un petit peu en ville! On aime full ça! C'est vraiment, vraiment cute puis typique ici, Luperon. Tout le monde se promène en moto. Ouais. Puis, là, on est comme sur l'heure du dîner, fait que tout est close. Entre midi puis deux, c'est la sieste. Qu'en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. On a essayé nous-mêmes de faire de la moto. Puis on a pas mal aimé ça. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare. Ver nuestros recuerdos en los mares. On s'est arrêté pour dîner, puis là, ben, pour repartir, notre moto, on repartait plus. Puis là, il y a un gars dans la rue qui est arrêté pour nous aider, il est allé chercher du tape, puis là, il est reparti au tape. La police est rendue ici, puis tout, elle nous a aidés. Ouais, promenades de moto, les animaux en liberté, la végétation, les fruits de la place, la façon dominicaine d'être 3 sur une moto ou 11 dans une auto, les montagnes, la mer et les petits plaisirs du quotidien. La vie était douce, mais après 9 mois à bord, il était temps pour nous de rentrer au pays, du moins pour la saison des ouragans. Je savais pas à ce moment-là que je mettais les pieds sur Orange pour la dernière fois. Malgré tous ces moments de bonheur, nos cœurs se sont effrités et perdus quelque part entre deux vagues. Nobody told you it was gonna be this hard. Ils ont pris un sillage différent,
On les a vus s'éloigner petit à petit, mais on n'a pas su comment faire pour qu'ils se rejoignent à nouveau. C'est triste. Mais c'est aussi ça la vie. Losing control. There ain't any words in this world that's gonna cure this pain. Sometimes it's gonna fall down on your shoulders. You're gonna stand through it all. Here comes the river. Le voilier orange continuera de voguer dans le chaud ou dans le froid. Peut-être un jour le croiserez-vous. Pour ma part, je n'y serai plus. Et ce n'est pas sans grande tristesse que je vous l'annonce. Le voilier orange, c'était ma maison, mon chez-moi. Ce voyage, partagé avec vous tous, aura été une des plus grandes et belles expériences de toute ma vie. Je suis immensément fière d'avoir dit oui à cette aventure. Très reconnaissante envers la vie de l'avoir mise sur mon chemin. Merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Ça nous a aidés, beaucoup plus que vous pouvez le penser. J'aurais aimé vous en montrer davantage, mais il y en a tellement et c'est difficile maintenant de tout regarder ça. Va falloir aller voir par vous-même. Allez, osez. Ayez le courage de sortir de votre zone de confort et l'audace de défier les normes. Les rêves, même les plus fous, sont faits pour être réalisés. L'aventure vous appelle.